Bon, bonjour tout le monde, euh, prochaine capsule. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous entretenir sur euh, l'initiation aux oiseaux. Euh, une partie euh, de la mise en présence d'oiseaux euh, qui m'intéresse particulièrement là, euh, par rapport aux jeunes chiens. Euh, comme je dis toujours, puis dans toutes les capsules, il euh, y a plusieurs chemins pour aller à Rome, il y a plusieurs approches aussi. Il y a des gens qui, euh, qui désirent entraîner, puis. Seulement mettre les oiseaux en présence d'oiseaux sauvages, donc travailler juste sur le sauvage. Il y en a d'autres qui veulent travailler parce qu'ils ont l'intention d'entraîner durant la période estivale pour faire soit des évaluations du Club Canin Canadien ou bien pour faire une qualité naturelle en Afda ou bien éventuellement pouvoir concourir leurs chiens dans des trials ou autres. Moi, mon approche depuis plusieurs années a été euh, toujours la même. Donc, euh, j'aime partir les jeunes chiens, puis entraîner mes chiens l'été sur euh, gibier d'élevage pour me donner un coffre à outils avec mes chiens quand la saison de chasse euh, va arriver l'automne. Euh, évidemment, comme j'ai toujours dit, puis je, me, je le dirai tout le temps, pour faire un chien d'arrêt, puis pour finir un chien d'arrêt, ça prend du sauvage. Il faut mettre votre chien sur les oiseaux sauvages. C'est une euh, des meilleures écoles pour euh, renforcer euh, l'arrêt et le, le, le désir des oiseaux. Mais comme je vous ai dit, j'aime travailler en période estivale avec les jeunes chiens sur du gibier d'élevage, les préparer, les entraîner pour me donner un coffre à outils quand je vais arriver au début de la saison de chasse. Donc, euh, l'approche que je préconise, que je fais depuis des années que j'aime, euh, c'est travailler avec les popées. Donc, mettre les en présence d'oiseaux. Principalement, moi, j'utilise des collins pour les mettre en présence d'oiseaux. Collins de Virginie, euh, c'est des bons petits oiseaux gibier. Des petits oiseaux qui volent bien. Quand on travaille avec des poppies, c'est un oiseau qui n'est pas trop gros. Parce qu'il faut faire attention parfois si euh, quand les, les chiots sont en jeune âge, puis on travaille avec des pigeons. À un moment donné, on n'est pas chanceux. Puis euh, on a un pigeon qui claque des ailes assez fortement dans le visage d'un petit pop. Ça peut être juste assez, des fois, pour euh, lui faire craindre les oiseaux puis créer un problème d'évitement par la suite. quelque chose qu'on ne veut pas. Donc euh, avant de vous parler un peu de mon approche pour la mise en présence d'oiseaux. Euh, je vais ouvrir une petite parenthèse. On voit souvent les, les gens au début, quand ils ont des petits popés, ou quand ils vont faire une sélection d'un petit popé, s'amuser avec une aile de perdrie au bout d'une canne à pêche, là, puis faire danser l'aile de perdrix. Le petit popé part d'un côté, part de l'autre pour finalement faire une petite pointe. Là. On aime tout ça. Ça nous montre l'instinct d'arrêt du chien. Par contre, euh, c'est un exercice à ne pas répéter et à ne pas faire souvent. On peut faire ça une fois ou deux, puis c'est tout, on refait plus ça. Pourquoi? Parce que si vous passez plusieurs, euh, plusieurs fois, puis vous passez beaucoup de temps à faire ça avec votre jeune chien, ce que vous allez créer, vous allez créer un petit chien qui va vouloir voir. Donc, un petit chien qui arrête à vue sur l'aile, parce qu'à chaque fois que vous faites ça, il arrête à vue. Alors ce que nous, on va développer, c'est vraiment l'arrêt au nez, puis l'arrêt à vue va venir par la suite. Donc, euh, limitez ça à une fois ou deux. Puis quand vous serez content ou satisfait d'avoir vu votre petit papier arrêter une aile de poule, eh bien, serrez ça, et puis euh, on ne se sert plus de ça. Fin de la parenthèse. Donc, pour l'introduction aux oiseaux, moi j'aime le faire en trois temps quand les chiots sont jeunes. Donc, une approche qui, est, qui a été développée aussi aux États-Unis par beaucoup d'entraîneurs. Euh, donc, mise en présence l'oiseau à 11 semaines, à 13 semaines et à 15 semaines. Évidemment, il faut avoir les conditions climatiques pour le faire. Là, ceux qui ont des popées d'hiver, ben c'est pas réalisable, donc il va falloir attendre plus tard pour les mettre en présence d'oiseaux. Mais si vous avez la chance d'avoir un chiot de printemps ou un chiot d'été ou fin d'été, donc, euh, la, 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 la séquence est assez simple. À 11 semaines, on va prendre un collin de Virginie, un beau petit collin. On va aller l'endormir dans un couvert qui n'est pas trop élevé, pas trop dense. Puis on va euh, l'étourdir, on va l'endormir comme il faut. Puis on va amener petit, notre petit popé et on va le laisser faire. À 11 semaines, on va l'amener bon vent, on va le faire tourner, on va l'amener dans la direction de l'oiseau. Puis à un moment donné, il va, il, va, il va associer une odeur, il va aller voir l'odeur, il va se mettre le nez sur le petit oiseau. Vous allez voir souvent, des fois, ils vont faire un petit flashpoint, qu'on appelle donc un petit arrêt éclair. Euh, des fois, non, ils vont aller directement dessus, ils vont se mettre le nez dessus. Euh, parfois, vous allez voir, ils peuvent même peut-être attraper l'oiseau, c'est pas grave. Si votre petit chiot, il y a 11 semaines, puis une fois ou deux, papy, il attrape un oiseau, c'est pas grave. Par la suite, quand on va travailler, là, on va travailler avec les outils pour s'assurer que notre, oiseau, pour, notre chien ne passe pas son temps à attraper des oiseaux, parce que vous le savez, si le chien attrape trop d'oiseaux, après ça, on a beaucoup de difficultés avec l'arrêt, puisque le chien veut juste euh, ramasser les oiseaux. Donc, on le laisse aller au petit oiseau. Puis une fois qu'il a trouvé son oiseau, s'il si veut jouer avec, on le réveille, on fait faire des petits sauts à l'oiseau, des petits sauts de crapaud pour stimuler le petit chien. Après ça, euh, on fait semblant de faire voler l'oiseau, on récupère l'oiseau, on met ça dans nos poches. Et voilà à 11 semaines. Quand on va revenir avec l'éducatif à 13 semaines, on va prendre un autre beau collin. On s'assure que c'est un collin qui vole bien. On va trouver un couvert aussi qui n'est pas trop élevé. On va l'endormir juste un peu. Juste un peu pour que notre petit chiot de 13 semaines va rentrer dans le vent s'il décide d'aller à l'oiseau. Quand il va vouloir se coller le nez dessus ou aller proche de, de l'oiseau, l'oiseau va être presque réveillé, donc va pouvoir partir à courir et décoller. Donc euh, à ce moment-là, à 13 semaines. Et par la suite, à 15 semaines, là je vous encourage, à 15 semaines, la même chose, on prend un bon collin, un collin bien en forme, bien en plume. On va aller l'endormir dans un couvert qui n'est pas trop élevé. Et, mais presque pas. On ne va presque pas endormir notre oiseau. Pour que quand notre petit chien, si notre petit chien arrive à l'oiseau, puis euh, il s'approche à deux 3 trois pieds, notre oiseau va décoller. Ça fait que assurez-vous, votre couvert n'est pas trop dense, puis que l'oiseau est presque pas endormi. À ce stade-là, vous pouvez utiliser à 15 semaines, si vous voulez être plus sécure, vous pouvez utiliser une petite longe. Ou ce que vous allez l'amener comme petite longe vers l'oiseau, vous allez le mettre dans le compte d'odeur avec l'oiseau. Comme ça, si l'oiseau fait juste un saut de crapaud, puis votre chien à 15 semaines veut partir pour attraper l'oiseau, vous allez pouvoir le retenir avec la petite longe, puis à ce moment-là, récupérez votre oiseau pour que le chien ne, ne, ne prenne pas l'oiseau. Mais si vous travaillez avec des bons collins, vous allez voir, ça va bien voler. Donc, euh, une fois que ces trois séquences-là sont faites, on a réalisé ce qu'on appelle l'imprinting chez le popé. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait la connexion dans le cerveau du chien entre l'odeur et l'oiseau. Ce que ça sent, maintenant, le chien sait ce que c'est. Donc, le chien a associé une odeur à un oiseau. Vous avez stimulé le pré-drive. Vous allez stimuler le désir. Donc, à partir de ce moment-là, après 15 semaines, moi, mon approche à moi, c'est plus d'oiseaux d'élevage, puis plus d'oiseaux d'élevage jusqu'à temps que le chien ait dépassé son six mois, puis qu'on ait un wow solide avec le chien avant de revenir travailler soit sur des collines ou soit avec des pigeons. Parce qu'après, on va travailler souvent aussi avec les pigeons, qui sont des bons oiseaux qui volent bien quand on va introduire la canne d'envol, etc. Je pourrais vous en parler plus tard. Donc, entre ce troisième imprinting-là, à l'âge de 15 semaines jusqu'à l'âge de 6 mois, moi mon approche, comme je vous dis, plus d'oiseaux d'élevage. Faites courir vos chiens, allez au bois, allez au champ. Si les chiens vont au, vont au bois sur le gibier sauvage, et vous avez la chance que c'est le, le, le début de la saison puis c'est pas encore interdit d'aller au bois sur les oiseaux. Le chien trouve des bécasses, rentre dans les bécasses, court sous les bécasses. Même chose pour une gelinotte. C'est juste bon. On laisse stimuler le, le désir de la proie chez le chien. Pis si vous voyez votre chien là, il est rendu à 4 mois, 4 mois et demi, 5 mois puis il court sous l'aile, on chicane pas ça, ça donne rien de crier wow, crier n'importe quoi, on laisse courir sous l'aile. Puis quand le petit chien va se tenir à mener courir sous l'aile parce que l'oiseau euh, a décollé, mettons la gélinotte ou la bécasse a décollé, ben à ce moment-là, c'est du rappel qu'on fait. Donc, on, ra on rappelle le chien à nous. Une fois que le chien est revenu à nous, bon chien, bon chien. Puis là, on continue. Donc, à cette période-là, quand votre chien aura six mois, ben là, on va pouvoir commencer le wow de façon plus intensive avec le chien, commencer à pouvoir faire vraiment plus d'entraînement sur le wow. Puis quand notre wow sera bien avancé, puis bien évolué, on pourra revenir sur les oiseaux et là, on aura un outil. On aura un outil pour commencer à travailler euh, notre chien une fois qu'il va avoir bien établi son arrêt, qu'on va vouloir travailler la, notre, notre chien sur le respect de l'oiseau. En dernier mot, ce qu'on souhaite dans un premier été d'entraînement, si vous décidez d'entraîner et de travailler avec, euh, avec du gibier d'élevage, par exemple en étant membre d'un club pour vous préparer pour une évaluation de poppée ou quoi que ce soit, avant la chasse, qu'on souhaite dans notre premier été avec un chien, on va avoir un chien, on va avoir développé un chien qui va quêter, qui va trouver des oiseaux au nez, qui va arrêter les oiseaux, qui va garder l'arrêt jusqu'à ce qu'on arrive au chien, puis qui va nous permettre de passer en avant de lui, puis de mettre l'oiseau à l'envol. Ça devrait être notre objectif de la première saison. Si on est capable de réaliser ça avec notre chien, dans un premier été, vous allez avoir les outils dans votre coffre quand vous allez arriver à la chasse à l'automne. Vous allez avoir des, des outils pour travailler avec votre chien. Votre chien va déjà avoir une base de ce que vous vous attendez de lui dans le travail aux oiseaux. Quand il va arriver aux, aux oiseaux sauvages, vous allez voir son désir, son intensité il va monter encore d'une coche. Alors dans ma prochaine capsule, je vais vous entretenir sur. Je vais vous parler de chasse. Je vais vous parler un peu d'équipement, d'outils de chasse, puis comment on devrait aborder nos premières saisons de chasse ou surtout notre première saison de chasse avec notre chien d'arrêt pour s'assurer d'avoir des années de plaisir en avant-nous. Sur ce, bon entraînement.